Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le vendredi 11 octobre. Il est 9h30, j'ai déposé les enfants à l'école et à la crèche. Je ne savais pas encore si j'allais vlogger, puis finalement j'avais envie de papoter, donc je vous ai pris pour vlogger. Tout simplement, j'ai rendez-vous chez le kiné d'ici 1h15, donc j'ai pas énormément de temps. Je dois monter la vidéo de dimanche parce qu'aujourd'hui nous sommes vendredi. Le vendredi je filme le vlog régime. Donc j'ai filmé le vlog régime en rentrant, voilà, ça met 10 minutes généralement, un quart d'heure grand max, donc ça va vite. Je vous fais toujours le petit bilan de ma semaine comme ça. Et là maintenant il va falloir que j'aille le monter. Je m'arrête d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure parce que je pars, je vais me préparer pour aller chez le kiné. J'aime bien me laver, etc, me rhabiller proprement. Je trouve que c'est un minimum quand on va chez le kiné d'être tout propre, enfin après ça, chacun fait comme il a envie, mais moi je me sens mieux en tout cas. Voilà, et puis il faut que j'essaye d'avancer toutes les vidéos du week-end, donc et de lundi, parce que comme tous les week-ends, j'évite de travailler. Surtout que ce week-end, on fête mes 30 ans avec mes copains et que j'ai ma meilleure amie qui dort à la maison. Donc autant vous dire que je vais pas passer mon temps sur YouTube. Je vais certainement filmer le week-end pour que vous puissiez avoir des images, puis moi des souvenirs, j'aime bien. J'avais filmé l'année dernière et je trouve que c'est trop bien d'avoir des souvenirs comme ça. Donc je pense bien filmer, mais par contre, je vais pas bosser dans le bureau sur l'ordi, etc. Donc faut que je fasse ça maintenant. Donc je vous laisse parce que j'ai beaucoup de travail. Bon, vous l'aurez. C'est bon, je suis prête à aller chez le kiné. 10h30, donc ça va, je pars dans 5 minutes. J'ai mis mon petit pull que j'avais acheté chez Kiabi, qui fait un peu sweet, avec mon petit jogging gris. Et voilà, j'ai pris ma douche. Donc tout est ok. Je vais y aller d'ici 5 minutes. Et je vous reprendrai de toute façon en revenant parce que j'aurai encore pas mal de choses à faire. Voilà, voilà. Bon, bah c'est parti. Je suis dans mon garage. Je sais pas vous, mais oups. J'ai tout le temps 3 millions d'affaires dans ma voiture. Genre là, j'ai un deuxième manteau avec un deuxième. Deux foulards à côté. Et j'essaye de vider, mais ma voiture, c'est ma deuxième armoire ou ma deuxième chambre, j'en sais rien. C'est pas grave, vaut mieux avoir trop que pas assez. Je vous laisse, j'y vais. Je suis pile à l'heure. Quand je dis que je suis à la bourre ou que je suis pile à l'heure, il est 38, j'ai rendez-vous à 45, je viens d'arriver. Bon, ça va, ça m'a sauté d'y aller et m'installer. Je ne suis plus la même femme. Regardez cette tête. Oh, j'ai eu droit à un massage, mais par une machine. Je devais m'allonger sur une machine, en fait, comme un lit sur l'eau. Donc c'était incroyable. 20 minutes où c'était de la pression d'eau qui vous massait le dos, les jambes, le cou, enfin. Je me sens de tension là, ça m'a tout fatigué, tout descendu, tout fatigué. Je suis stone. Je m'attendais pas à ça. Moi je m'attendais à faire encore un petit peu de sport ou des trucs comme ça comme d'habitude. Je m'attendais pas à avoir un petit massage. Il m'a dit avant le week-end pour profiter du week-end et tout. C'est top, je suis contente. On fait du bien. Allez, je me rentre. Punaise, il y a le soleil qui arrive. C'est trop cool. Il est 3h15. J'ai réussi à monter mes vidéos. Donc pour samedi, c'est tout bon. Dimanche, c'est tout bon. Et pour lundi, il faudra que je fasse encore la miniature ce soir. Mais c'est pas grave. Elle est en train de s'exporter sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai bossé sur mon site internet. Ma boutique en ligne, en fait. Voilà, tout simplement. Parce que j'en avais fait une première qui m'arrache les cheveux. Ça fait des semaines que je suis bloquée au même endroit, que je galère à ce niveau-là. Et je suis en train de me remettre totalement en question pour en faire une autre, en fait. Là, je suis en train d'en tester sur un autre site. Plus cher, mensuellement, mais finalement plus facile à utiliser. Et avec peut-être une assistance en plus, donc ça risque d'être intéressant pour moi. Voilà, donc je réfléchis parce que c'est du temps perdu si je retravaille sur un nouveau site. Mais en même temps, il faut voir après quoi. Une fois que tout est lancé, s'il y a un souci ou quoi, que je me retrouve seule face à moi-même, ça risque d'être délicat. Voilà, voilà, vous n'avez plus de batterie, donc je vais vous mettre à charger. De toute façon, je vais en discuter avec Julien. Parce que ben, j'aime bien avoir son avis aussi. Donc voilà, voilà. Je vais aller préparer le goûter d'Alissa parce que je vais la chercher à l'école dans un quart d'heure.
Comme ça, elle a le temps de manger son goûter au parc, parce qu'avec ce soleil, autant dire qu'on va en profiter. Et ensuite, on récupérera Aaron, qui sera certainement dans le jardin à la crèche. Donc, ça va être compliqué de le faire partir de là-bas. Mais c'est pas grave, on va y arriver. On y croit. On est rentré. On est en atelier dessin. Écriture. Alissa, elle a écrit. En fait, Alissa, je lui dicte les lettres quand elle veut écrire un mot et elle écrit. Et elle s'en sort plutôt pas mal. Et Aaron, il fait des ronds. Tu fais des ronds, toi ? Et il a fait de la peinture à la crèche et il ne voulait pas rentrer. Et Alissa, elle l'a embrigadé, disons, dans son choix. Oh là là, j'étais dans un état. T'en as plus ? En fait, j'ai été les... J'ai été chercher les feutres parce qu'ils se prennent la tête pour un feutre. Voilà. Il a passé. J'ai été chercher donc Alissa à l'école, elle a été faire le goûter et jouer au parc. Ensuite, on a été chercher Aaron à la crèche, qui était dans le jardin, qui ne voulait pas partir, qui venait de finir de la peinture pour faire la citrouille, donc trop bien quoi. Il a fait une citrouille en peinture, donc il était tout content, il m'a montré, enfin, c'était top. Ensuite, bon, on est parti, on est monté, en fait vous êtes à la crèche en bas, on est remonté en haut, puis... Je me suis rendu compte que le manteau était en bas, donc on est redescendu en bas. Mais ça, c'est compliqué pour moi, les escaliers, les affaires et tout à porter. Aaron a embrigadé de force, quoi. Donc, on redescend, on va prendre le manteau. On part par en bas. Et la porte était bloquée, le portail extérieur. Donc, il fallait re-rentrer pour demander qu'on nous ouvre. C'est une histoire. Donc, je suis épuisée au bout du rouleau, là. Donc voilà, puis j'ai pas très fière parce que j'ai pas été très contente qu'on m'écoute pas non plus, enfin que les petits n'écoutent pas. Donc c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Donc là ils sont en train de faire du dessin et de l'écriture parce que c'est elle qui réclame, elle aime ça. Donc c'est très très bien, je l'encourage vivement parce que c'est, ça la, l'entraîne, ça lui apprend plein de choses. Donc c'est très très bien. Et Aaron il prend le même chemin, il aime faire ce genre d'activité, ça lui plaît beaucoup, donc c'est top. Donc on va faire ça tranquillement et puis après ce sera l'heure de passer à table. De toute façon j'avais fait des meal prep hier donc les repas sont prêts. Ah oh non c'est pas tout de suite mon chéri, ce sera tout à l'heure. Il entend les mots qu'il veut. Aaron, tu nous montres c'est quoi sur ton dessin ? Waouh, c'est toi qui as fait ça ? Oui. Oui ? Et c'est quoi ? Et maman il a écrit quoi ? Alors, oh, nam. On a bien. Et là, elle a marqué hélicoptère urgent. Ah, il y a eu un U, un R. Ah, t'as voulu réécrire urgent. Donc elle s'entraîne, c'est bien. Et lui, maintenant, il fait des petits points. Chacun a son activité. Bonjour. Aujourd'hui, on est samedi soir. Je vous ai pas repris depuis vendredi, mais c'est pas grave. J'étais obligée de vous prendre parce que vous pouviez pas louper ce gâteau. C'était pas possible. Regardez comme il est magnifique. Alors là, franchement, il mérite d'être filmé quand même plusieurs secondes. Tu as le droit à ta minute de gloire. Il est magnifique. Il est trop, trop beau, quoi. Voilà. Vous l'aurez vu sous tous ses angles. Il n'y a pas les bougies. Ah oui, si, on a les bougies en plus. Et puis juste avant, c'était raclette. Voilà. Comme ça, on aura fait la soirée au top du top. Oui. 3, Lisa. Ah, pardon. Ah oui. Vous êtes tous prêts? Joyeux. Faire, c'est. Parce qu'on a 30 ans, on n'en a pas 20. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est... Faut que je souffle. Oui. Trop fast. Bravo. Bravo. Oui, il fallait pas réveiller les gosses. Bon, je vous montre la part du gâteau. C'est tout. Ça, c'est la part. Et regardez les petites boucles d'oreilles que j'ai. Vous allez les voir souvent, je pense, celles-là. Parce que du coup, elles sont bien. Parce que je peux les mettre et les garder sur moi quand je vais faire dodo. Voilà. Bonjour. Aujourd'hui, on est lundi. Je ne vous ai pas vraiment pris ce week-end. Hein, parce que j'ai vraiment profité du moment.
Donc je prends maintenant pour clôturer, j'ai de l'appui dans mes lunettes parce que c'est un petit peu compliqué ce matin. J'ai de la nuit de samedi à dimanche, j'ai dormi 3 heures et de la nuit de dimanche à lundi, je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis levée à 4 heures. D'où ces énormes cernes parce que je suis épuisée. Je me suis levée à 4 heures parce que j'avais le nez qui coulait, j'éternuais, crise d'asthme, enfin c'était un peu compliqué. Donc avec on a discuté avec ma maman hier parce que je lui disais qu'à chaque fois que je vais dans ma chambre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont je suis allergique parce que le matin, le soir, j'éternue, je suis pas bien et tout. Et en parlant, on s'est rendu compte que c'était peut-être ma tête de lit. Elle est en sky, vous savez, et elle s'effrite, mais je pensais que c'était l'usure ou les petits en touchant ou quoi. Et ma mère, elle m'expliquait que ça se décompose au bout d'un moment. Donc en fait, on en a plein les draps. Vous avez beau changer les draps, ça tombe dessus et tout. Et elle m'a dit, mais ça, cherche pas, c'est ça, tu respires ça et voilà. Donc hier, j'ai mis avec Julien un drap sur la tête de lit et Julien est en congé à partir de ce soir, il est en vacances une semaine. Donc je vais lui dire, demain on va regarder les lits, les matelas et tout, parce que notre matelas, pareil, il faut le changer. Il commence à être moisi en dessous, enfin derrière et tout, c'est pas possible. Donc il faut qu'on aille voir tout ça. Donc voilà, il faut qu'on regarde, c'était pas prévu au budget, donc il faut aussi qu'on regarde. Au pire, on a un lit dans la mezzanine qui est neuf, qu'on avait acheté en fait en lit pour la chambre d'amis. Donc c'est nos invités à chaque fois qu'ils l'utilisent, mais je me dis qu'au pire, on descend celui-là en échange. Si vraiment on peut pas l'acheter maintenant, autant faire au moins ça, parce qu'en fait c'est insupportable. Donc à 14h du mat, je me suis réveillée pas bien, et je suis finie par descendre en fait. Donc je me suis mise sur le canapé, je me suis endormie ici. Mais Julien, voilà, il devait aller se toucher, il regardait un petit peu la télé. Bon, je l'ai pas capté, hein, j'étais sous mon plaid et je dormais confortablement. Enfin, confortablement, profondément, pas confortablement. Donc c'était un peu compliqué. Ensuite, les petites étaient assez excitées ce matin et moi j'étais de tension, forcément pas en forme. Mais bon, ça va. J'ai mal au bras en fait, je sais pas pourquoi. Vous êtes de plus en plus lourd à porter avec cette fatigue. Donc j'ai pas vlogué hier, j'ai mis plein d'articles sur Vinted, je crois que j'ai 56 articles. J'ai des articles d'il y a un petit moment, et d'ailleurs les photos sont pas top et tout, je me demande si je vais pas les refaire parce que mine de rien ça joue quand vous prenez une belle photo, c'est vachement plus joli. Donc je vais voir et j'ai déjà du coup fait 4 ou 5 ventes depuis hier, donc je suis ravie. J'ai préparé des colis hier après-midi parce que j'ai fait ça tout l'après-midi en fait, des photos, préparer les colis etc. Et j'ai même acheté mon premier vêtement sur Vinted. J'ai acheté le manteau d'Alissa sur Vinted. Il faut savoir que nous, on est un petit peu du style à ne jamais acheter de vêtements d'occasion. C'est pas un principe, hein, c'est pas qu'on critique les gens qui le font. Hein. Moi, ma mère le fait, je crois que ma soeur aussi. Enfin, je trouve ça très bien. Et nous, on a du mal. On a tendance à acheter neuf parce que j'aime pas quand je vois que l'habit a déjà été porté et abîmé. Enfin, l'usure naturelle, mais ça m'embête, donc j'ai du mal. J'ai jamais acheté d'habits d'occasion à mes enfants. Et je parlais avec une copine et une autre dame de l'école, et elle me disait qu'elle achetait tout d'occasion, et que c'est vrai que financièrement, c'est quand même beaucoup mieux. Donc on a discuté avec Julien, parce qu'Alissa grandit tellement vite, et Aaron aussi. Aaron, ça va encore, mais Alissa, c'est impressionnant, elle n'aimait vraiment pas longtemps ses habits. Je me demande du coup si on va pas tenter. Mais sur Vinted, vous pouvez mettre la condition, c'est-à-dire si vous voulez quelque chose de neuf avec étiquette, de neuf ou d'occasion en très bon état, etc. Donc j'ai passé un long moment à chercher son manteau. J'en ai trouvé un premier que j'avais acheté en fait, j'avais dû payer 20€. Et en fait, j'avais pas bien lu. Donc Julien me dit, mais il faut lire quand t'achètes quelque chose. J'étais tellement crevée, j'ai pas bien lu. Il y avait un défaut dans le dos, donc du coup j'ai demandé à la nana, on a annulé parce que je voulais pas l'acheter. Il était neuf mais avec un défaut, donc ça m'intéressait pas finalement. Et j'en ai trouvé un autre qui n'est pas neuf mais qui est en très bon état. C'est un manteau tape à l'œil qui ressemble finalement à celui qu'elle avait l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Celui-ci est plutôt beige blanc, beige plutôt. Donc effectivement, le beige ça va être salissant. Il suffirait de le laver tous les week-ends, enfin... C'est pas un problème. Après, j'avais envie de tenter d'acheter un manteau beige, enfin quelque chose de clair. Je me dis que l'acheter d'occasion, c'est pas plus mal parce que je crois qu'au total, j'ai dû le payer 22€, frais de port compris, etc. 23€ peut-être, frais de port compris, etc. Donc voilà, je l'ai commandé hier. Je suis contente. Puis comme j'avais des sous sur Vinted, finalement, je ne paye rien, donc c'est très bien.
Donc là, il faut que j'aille poser d'autres vêtements parce qu'en fait, j'ai certaines personnes qui m'ont acheté des lots. Donc par exemple, j'ai mis un pantalon, un body, un pull et il y a quelqu'un qui a décidé d'acheter les trois. Donc là, il faut que je pèse pour voir si ça va dans un petit ou dans un moyen colis pour donner les frais de port et que la personne décide ou pas de l'acheter. Donc il faut que je fasse ça. J'ai kiné à 11h15, j'hésite à annuler parce que je me sens vraiment au bout du rouleau. Mais en même temps, j'ai mal au dos, donc je me dis que je vais y aller. Hein. Parce que ce week-end, bah, tout le samedi, je vous ai pas pris, mais j'ai passé la journée à faire du ménage. Voilà, mais vraiment du ménage toute la journée. Je me suis pas arrêtée, ça a été une journée intense parce que bah, en semaine, c'est compliqué. Le week-end, on profite, donc ça fait un moment qu'on faisait plutôt le strict minimum. Et là, bah, au bout d'un moment, bah, ouais, il faut. Hein. Et ce qui est embêtant, c'est, vous savez, j'ai la cage d'escalier. Voilà, vous voyez, par exemple, la cage d'escalier, là, bah, tout ça, ça prend la poussière. Donc, il faut le faire à tous les niveaux, vous voyez, là. Il faut nettoyer, enfin, voilà. Donc, ouais, il y avait quand même pas mal de travail, donc, mais bon, c'est une bonne chose de faite. Là, j'ai encore beaucoup de trucs à faire, mais je suis tellement de tension que je ne vais pas mettre la pression. Je vais faire ce que je peux faire au fur et à mesure parce que c'est plus possible. Je me sens vraiment, mais je suis crevée et du coup, c'est difficile. Mais j'ai passé un super week-end, donc c'est vraiment le plus important, c'est ce qui compte. Oui, et puis je vous ai pas dit, donc arrivé à l'école, je vois que Aaron, il est tout mouillé au niveau de la couche, en fait. Et je regarde, et ce week-end, il nous a fait de la diarrhée, mais parce qu'il a mal aux dents, je pense que c'est ça, parce qu'il n'y a rien d'autre. Et en fait, sa couche avait débordé. Donc j'ai dit à Alissa, je te laisse, je te fais le bisou, il faut que j'ai changé ton frère. Donc on est revenu à la maison, il a fallu tout changer, vous enlever le manteau, les chaussures, l'écharpe, le pull, le body, la couche, le pantalon, pour tout rechanger. Enfin bref, ça a été très 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 speed, et là du coup j'ai tout en haut, il faut que j'aille tout enlever, parce que bon, on s'est dépêché, hein. Je suis rentrée à l'instant, donc je vais aller m'occuper de tout ça. Ce matin, ils ont joué, donc il y a tous les jouets de la marchande, enfin, de la cuisine, quand ils ont fait à manger, qui sont posés sur le canapé. Je vais pas attendre ce soir qu'ils les rangent parce que j'ai envie de passer une journée sans bazar partout. Donc voilà. Bref, vous l'aurez compris, j'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. Mais je vais en priorité faire la vidéo de demain et le reste, ça attendra. Ça attendra parce que je me sens vraiment pas en forme, Donc je vais vous clôturer ce petit vlog parce qu'aujourd'hui je ne vlog pas, je me repose, je fais à mon rythme et je ne me mets pas de pression. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez regarder les vêtements Vinted, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Je mets aussi des vêtements à moi, donc voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye!